Et j'aimerais bien aller faire cette quête secondaire là que j'ai depuis bien trop longtemps. Cette zone-là est bien sympa aussi, elle change un peu de ce qu'on a eu avant. Ça reste un peu le désert, mais c'est quand même plus rocheux, plus rocailleux, quoi. Tac. Tac et tac, tac. Après, une fois qu'on aura fait cette quête secondaire, bah du coup, on verra. Parce que du coup, si on est retourné à Minfe ou Ninfe, là, je sais plus comment tu dis. Peut-être qu'on complétera les autres quêtes secondaires qu'on avait à cet endroit-là. Au moins déjà avec ça, on pourra se re-TP dans cette zone-là et du coup recline un peu tout ce qu'il y avait à finir. Parce qu'il y a des points de quête secondaire. Là, il y a un autre point de vue, une autre quête. Après, ça c'était avec l'autre zone, mais c'est pas trop grave. On va quand même les faire. Et nous, la prochaine zone, c'est celle-ci. D'ailleurs, non, c'est Sakara. Ah non, c'est Katara. Zone, il y avait une énigme. Ok. Hop, on va se TP, on va les choper. Tiens, il a carrément bougé quoi. Je faisais un petit chemin tranquille et tout, et le temps que je fasse mes trucs, il est parti à l'autre bout du monde. Hop là. Allez hop. Let's go. J'en ai fauché un mais c'est pas grave. On n'a pas vu. On n'a rien vu. Le monsieur il est là-bas. Allons attraper le monsieur. Qui était à quelques mètres. Tu ne passeras pas, chien. T'aurais pas dû venir ici. À manger tes boyaux. Ok. Quoi? C'est complètement con. Très bien que le gars il était attaqué. Et que les gardes qui l'ont attaqué se sont déplacés. Mais du coup, on en avait un APT d'aller le tuer ou quoi, les gardes là. Puisque lui, il est à l'autre bout du monde. Mais attends, mais heureusement que j'ai fait le point pour ce TP. Hein. Je crois que c'est que de mon PT. Je comprends pas, genre ces portions-là, ils se sont barrés, mais on est quand même parti les tuer. Ils se sont barrés. Enfin, je sais pas, non, c'est pas logique. Tant pis. Au moins, on les a tapés. Hop, on va essayer de choper de la peau. Les trois bestioles qui traînent par là. C'est moi qui se déplace lui aussi. Mais j'en veux plus de cette quête, hein. Stop. Il faut encore tuer les poursuivants. Mais arrêtez, mais c'est quoi cette... J'en ai marre de cette quête là, elle est quand même pétée. Faut encore poursuivre des gens qui se barrent à Tatooine les bancs. Ils vont encore me renvoyer en arrière, tu vas voir. C'est insupportable.
Coupez-lui la roue, mec. Oh, ma peau. Il ne doit pas s'enfuir. C'est bon ou pas? Encore. J'espère bien, là. Par les dieux. Le v'là. Eh ben, dis donc. Tu as été extraordinaire. Tant qu'on aura mis. Je te félicite. Qui t'envoie? Le gros Kition ou le petit Héraclide? Ils ont cru que je ne m'en sortirais pas tout seul. Mais on leur a montré qu'ils se trompaient, pas vrai? Vraiment? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu veux rire, Neb? Nous cherchons la crypte perdue du grand roi Snefru, le fondateur de l'âge d'or de l'ancien empire. Et comment tu comptes t'y prendre? Non, mais dis-moi, ils ne t'ont rien dit avant de t'envoyer me chercher? Rafraîchis ma mémoire. Selon mes dernières recherches, Snefru a dissimulé 3 artefacts dans ses pyramides. L'un à Medum, dans sa première pyramide qu'il a mal construite, un autre dans la pyramide rhomboïdale, dont il a dû modifier la conception après l'effondrement de Medum. Et un dans le chef-d'œuvre final, son tombeau, la pyramide brillante. J'ai l'un de ces artefacts. Mais ces crapules de bandits m'en ont volé un autre. Il faut que tu le leur reprennes. Et où sont-ils? Ils campent sur les hauteurs à l'ouest de Memphis. Pour les trouver, il suffit de suivre le ruisseau. Tu vas aussi devoir réussir à entrer dans la pyramide brillante pour récupérer le dernier artefact. Je pense qu'il y a une ouverture en haut. Mais l'ascension est ardue. Dans ma jeunesse, j'y serais parvenu, mais... J'irai voir. Il y avait combien de bandits? Je crois qu'ils étaient tous là. D'accord. On va faire le premier point qui est à quelques mètres. Du coup, les pierres que j'ai fait, on va être obligé de se les refaire. Hein. Enfin, celle-ci en tout cas. Ouais, il y a juste celle-ci que j'ai déjà faite qu'il va falloir refaire. J'adore la vie. Par contre, attends, je suis en... Non, c'est bon. Je confonds. Enfin, pour moi, j'étais parti sur l'autre en entrée de l'autre tombeau. Allô? Vas-y, il a un problème pour sa copie, hein, le monsieur là. Waouh. C'est pas la première fois, tout à l'heure aussi, il a pas voulu sa copie, c'est trop bizarre. Du coup c'est roule, on est obligé de se retaper tout le tombeau. Ah non, attends, quoi? Tout qui est dessus. Mais c'était pas comme ça tout à l'heure. Non, vous pouvez démarrer de là. Il m'a fait le même bug que tout à l'heure. J'espère qu'on va le trouver sans trop de contraintes. Hmm. Ok.
Cet artefact d'apparence quelconque doit avoir une valeur cachée pour qu'on l'ait mis avec de tels trésors. Ok, ok, donc du coup il y avait un coffre et tout en plus, effectivement. Bon. C'est. Ah, ça, on a pas trop perdu de temps, les mécanismes étaient à nouveau en place. Encore. Donc ça nous aura pas trop embêté. Aussi des bugs d'ombrage et de décal. Hop, le deuxième, enfin troisième et dernier artefact. Du coup, c'était pour ça que j'avais la quête avant. Je pensais qu'il y avait un truc beaucoup plus important. Je vais juste vérifier au niveau des points d'attitude. On en a qu'un. Bon. Le troisième. Commande bandit. Il n'y a pas de point ici. Alors un point là-bas, bah, ça se trouve c'est peut-être pour le campement du coup qu'il doit y avoir. Mince. Vas-y, c'est new. Ok. Il y a rien d'autre. Non, si c'est un truc de trésor, on devrait avoir. Ok. Je ferais bien d'être prudent par ici. Bon sang, il va se tuer. Ok. Quoi? Je vais te tuer! Sûrement l'artefact que les bandits ont volé à Merkès. Très étrange. Nickel. Il est temps d'aller voir Merkès et découvrir l'usage de ces trois artefacts. Donc comme ça, ce lieu-là est terminé et il est là-bas. Est-ce que ça vaudrait le coup de cette épée? Pff, bah non. Ah, parce qu'il est entre les deux. Il y en est à la même distance par rapport à là où on est. Allez, d'accord, il a bégayé. Ok, on y est presque.
Non. Pourquoi est-ce que je descends maintenant? Je ne sais pas. J'ai récupéré les deux autres artefacts. Ah, ça confirme mes hypothèses. Paré, c'est ça. Les artefacts forment un dessin. Mais il en manque une partie. Impossible de les relier. Sauf qu'il y a un passage dans l'Égyptica qui dit « La voie est libre sur la pointe brillante ». Et les inscriptions de cet artefact doivent faire référence au pyramidion du tombeau de Snéfrou, la pyramide brillante. Je suis sûr que la clé du mystère se trouve là-haut. Que dirais-tu d'aller y jeter un coup d'œil? Tu peux me dire ce que tu espères trouver? Les inestimables trésors de Snéfrou sont perdus depuis si longtemps. Ceux qui les révéleront à la lumière du jour seront considérés comme des héros. Hé, je ne suis pas un pilleur de tombes. Non, non, non. Bien sûr que non. Je t'assure, tu as ma parole. Tu ne perturberas personne dans les champs de roseaux. Ouais. Je vais grimper, je vais voir ce que je peux trouver. Ok. Pyramide médium. Pyramide rhomboïdale. Effectivement, il avait des projets quand même. Bien étrange. Pyramide brillante. Finalement, la seule qui est un peu normale dans cette histoire. D'accord, donc c'est celle-ci même. Effectivement, c'est une pyramide brillante. Sommet du tombeau de Snéfrou. Avec des fentes assez étranges. Ah ouais, oui. Peut-être que si je... pointe les dessins. Ces trois artefacts s'insèrent parfaitement dans les fentes du pyramidion. C'est un dessin. D'ici, sur la pyramide brillante, cela semble pointer en direction de ces ruines à l'est. C'est là qu'on trouvera la crypte. D'accord. Eh bah dis donc. Que de rebondissements. Il y a des trucs qui s'en servaient pas vraiment. C'est une partie shopping des trucs qu'il y avait en haut. Alors, ne me fais pas languir, s'il te plaît. Tu as trouvé quelque chose? J'ai apprécié la vue. Les éléments prennent place dans le pyramidion et forment un dessin complet. Tu es extraordinaire. Et dis-moi, est-ce que ça résout l'énigme des récits sur l'endroit où se trouve la crypte? Je pense que ça désigne quelque chose à l'est. J'ai pu distinguer ce qui ressemble aux ruines d'un temple. Suis-moi, je vais nous conduire là-bas. Pas d'autres ennuis, d'accord? Avec toi à mes côtés, aucun risque. Comment as-tu croisé le chemin de ces bandits? Oh, j'avais fait appel à eux pour trouver les artefacts. Quoi? Ils travaillaient pour toi? Eh bien, leur chef, Belouche, prétendait connaître le désert mieux que quiconque. Je ne pensais pas qu'ils me trahiraient ainsi. Je ne pensais pas qu'ils étaient ce genre de bandits. Il n'existe qu'une sorte de bandits. Ils pillent et tuent pour de l'argent. Tu as raison. Ils paraissaient déterminés à faire les deux. Après m'avoir volé un artefact, il voulait me tuer pour avoir l'autre. Oh,
Tu vas finir par te faire tuer. On me l'a déjà dit. Nous y voilà. L'entrée est cachée, bien entendu. D'accord. Ces statues ont résisté au temps. Elles sont semblables à celles mentionnées dans les écrits de Manetho. C'est facile. Mais que signifie-t-elle ? Le sol semble meuble ici. Voyons ce qui se cache sous le sable. Paré ! Je me demande ce qu'on va trouver. Le dernier obstacle dangereux. Je t'avais dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Allez, par ici. Après toi. Nous sommes les premiers à entrer ici depuis plus de 2000 ans. Ce lieu doit regorger de trésors. Ouais. Il veut piller une tombe. Un pyramidion parfaitement conservé. Une relique des dieux. Et l'origine de toute bonne chose. Les premiers rayons de Ré l'ont illuminé. Ils ont éclairé le vol de l'oiseau Bennu, qui a survolé les eaux de Noun. Il n'y a pas à s'inquiéter. Tu as fait exactement ce que je t'aurais dit si tu avais été moi. Oh, ça alors ! Paré ! C'est d'une beauté divine ! C'est ici ? Cet endroit ne contient que de vieux rouleaux. Il n'y a pas d'or. Quelle merveille ! Quel trésor historique ! Kition et Héraclide en resteront sans voix. Je vais être célèbre. Nous allons l'être. Heureux d'avoir été utile. Dès que j'aurai catalogué nos découvertes, je les apporterai en chariot à la bibliothèque d'Alexandrie, où elles seront étudiées et conservées. Ok. Bah écoutez, parfait, on va continuer, on va aller faire la suite. Donc là, normalement, il nous reste plus que... Ok, donc c'est de là, et trouver la source du sifflement, c'est là-haut. Et les pierres, les cercles de pierre, pardon. Ok, ok. On va aller step by, on va faire les deux quêtes qui sont ici. Hein. Continuons. Ah oui, d'accord, c'était un truc de Donatka. Je peux demander pour ce qu'il m'avait notifié. Et du coup, après, donc là, il nous resterait les deux points là, mais au pire, ouais, s'il faudrait quand même les faire. Et après, il nous resterait ça. Après, on n'est pas obligé de tout finir. What? Oh, pardon. Waouh. On a deux dans cette zone là, mon frère. Je vais me faire déglinguer. Mais après, on pourrait aller s'avancer. Niveau 40, je suis niveau combien moi déjà? Niveau 30, même pas. 30, bientôt 31, mine de rien. Ok, ils ont 10 niveaux de plus que moi. Attends, la zone elle est niveau combien du coup? Elle est 37, 40. Ah non, attends, c'est là que je dois aller? Non, c'est là. Ah non, c'est bon, c'est là que je dois aller. Ah, niveau 30, ok, non, tout va bien. Ouh. Oh, j'ai cru que c'était ici. Dans le désert isolé. Isolated desert. High position, Gera. Whoa. Ah! Yeah. Tu viens faire affaire? Toi! Au revoir. Non, mais c'est... Hein?
D'accord. Plus tu me feras courir, plus ça se passera mal pour toi. Tu n'es pas très rapide pour un Medjay. Comment un enfant si petit peut courir si vite? Casse-leur toutes les dents. D'accord. Venez m'aider. Vas-y, frappe! Tu as réussi! Je savais que tu y arriverais! Tu m'as amené ici pour te débarrasser de ces bandits! Bien sûr! Je suis très malin! Tout le monde te le dira! Oh, le sale gosse! Tu es si malin! Comment tu t'es retrouvé forcé à travailler pour des bandits? Je ne travaille pas pour eux! Une vieille mégère a enfermé plusieurs d'entre nous. Elle nous oblige à voler pour elle. Enfermée? Oui. Ma sœur devait nous délivrer. Elle m'avait dit de la retrouver près du chantier naval. Mais elle n'est jamais venue. Tu veux bien la chercher? Je te volerai une pomme. Tu n'as pas besoin d'acheter mon aide. Je te l'offre. Comment s'appelle ta sœur? Kawit. Et moi, c'est Ifri. Si tu trouves Kawit, dis-lui que je lui en veux. D'accord. Les enfants des rues. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'ait fait attendre toute la journée au chantier naval. C'est moche là-bas et ça pue. On va pas se TP, on va y aller. Mano à mano. Mano, mano. Ne voguera pas avant longtemps. Non. Non, non, non. Il est même brûlé, d'ailleurs. Ce navire était en cale sèche quand il a brûlé. Des traces d'huile. Cet incendie a dû rendre Ray jaloux. Oui. Il paraît que le navire a pris feu dans le port hier soir. Comment c'est arrivé? J'en sais rien. Je me contente de le remettre en état. Right position, Gareth. Un marchand d'huile. Il a peut-être vu Kawit. C'est le mât du navire qui a brûlé. Une voile de couleur. C'est assez rare. Les enfants sont gardés en cage. N'approche pas, ou je te casse la tête! Calme-toi. Tu as vu une jeune fille du côté du chantier naval hier? J'en vois plein des filles, tous les jours. Et la plupart ne valent pas le détour. Elles pensent sûrement la même chose de toi. Si tu voulais des informations, tu viens d'en tripler le prix. Je préférerais encore jeter ma bourse à l'eau. Il doit exister un autre moyen de le faire parler. Ce que je pensais faire. Éloigne-toi avant de casser quelque chose. Ok, c'est peut-être quelque chose. Non. Recule, certains hommes ne parlent que le langage de la violence.
Deuxième chantier, qu'est-il arrivé à la soirée du dimanche? Bah, mais... quitter la zone d'investigation. Éloigne. Arrête, espèce de brute! Je vais tout te dire! D'accord. Par les membres d'Osiris, tu sais te montrer cruel! Qu'est-ce qui est arrivé à la fille? Je l'ai regardée deux fois, et la deuxième fois, elle était en train de voler ma plus grosse jarre! Elle s'est évanouie comme un démon en plein jour! À mon retour, des vauriens étaient en train de détruire mon stock! Puisse tout est pareil pourrir au fond d'une île! Je crois que j'ai compris ce qui s'est passé ici. Ah, ils ont volé les jarres et puis ça a brûlé, quoi. Kawit a volé une jarre d'huile à cet imbécile de marchand, et elle l'a caché en attendant la nuit. Profitant de l'obscurité, elle a versé l'huile dans le navire, et elle y a mis le feu. Ah d'accord, c'était l'incendie vous. S'est étendu à tout le navire. Pendant que le navire brûlait, Kawit a libéré les enfants retenus sur l'île. Mais les bandits ont dû l'attraper. Le responsable des enlèvements est probablement le propriétaire de ce navire. Bah, une voile de couleur en plus. On devrait savoir, hein. Waouh. On va tenter d'aller faire le point qui est là-bas. On y est juste à côté. Ça se trouve, ça va être au campement qui est juste là. On va aller voir. Hein. Ah bon. Le faire du coup, et comme ça, moi on aura complété ça. Et voilà cette voile colorée. Nickel. Nouveau découvert, repère. Les bandits sont à la recherche de l'enfant. C'est pas Gogias. Arrêtez ces fous. Mettre fin à tout ça. Si quelqu'un se montre, ce sera la dernière erreur de cette triche. Quoi? Ok, nice. Je vais te... Il y a des traces. Que je parle à cet enfant. Et ben voilà, tout en discrétion. Nickel. Lieu terminé. C'est ton frère qui m'envoie. Où est Kawit? Ils l'ont emmené avec tous les autres.
dans une maison de la ville. La maison d'une dame riche, Gaïa. C'est tout près du temple d'Hathor. Tu vas sauver ma famille ? Au nom de la déesse mère, je le ferai. Allez hop, on se TP. Et on y va. Et après, on conclut, on fait l'autre quête. Soit que ce soit pas trop long, mais ça, à mon avis, vu le temps là, ça fait 2 heures qu'on est dessus là, sur le souvenir. Ok, la vache. Et je pense que c'est d'aller faire un peu principal. C'est d'aller diriger vers la zone. Il restera des choses encore derrière nous, surtout dans la nouvelle zone là. Mais bon. Non ? T'appelles pas ? Ça y est. Tente de tout faire, ça risque d'être assez long. Sur les toits pour que ce soit plus facile. Il est ivre. Non. Ah zut. Comment je fais pour entrer là-dedans? Par là. Hey. Quoi? T'as mangé tes boyaux! Ah mince. Ouais, c'était l'autre. Bah attends, c'est bon, on va pas l'enchaîner. Oh, pourquoi ce garde avait-il une clé? Elle doit ouvrir quelque chose d'important. Ah ouais. La sœur. Longue vie à toi. C'est Neve qui t'envoie ? Non, c'est Ifri. Où il est ? Comment ça ? Je t'ai suivi tout le temps. Ramène Mathieu à la maison. Vite ! Hé, hey, pourquoi tu ne vas pas avec eux ? Je dois retrouver la maudite romaine qui a fait ça à ma famille. Si tu veux m'aider à la tuer, retrouve-moi chez Nef. D'accord. Hey. Où il y a une... Inutile de fuir. On doit les aider à se venger. On va y aller. Hein. On va faire. Devant des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est morte ? Ah non. Ouais, c'était Pépère. Il a pleuré d'un coup. Tout va bien. Les enfants l'appelaient père. C'est sa maison. C'est sa maison. Tu es blessé. Ça, je m'en fiche. La mégère romaine qui a fait ça prend le bateau pour Alexandrie aujourd'hui. Aide-moi à la donner en pâture au crocodile, en morceaux. Je vais y aller seul. Je ne veux pas que tu aies du sang sur les mains. Il faut que ce soit moi. Tu as l'intention de laisser tous ces enfants sans protection ? Élimine-la de ce monde, Bayek de Siwa. Je dois me dépêcher, ou ce monstre va quitter Memphis. Senou trouvera un navire aux voiles colorées plus rapidement que moi. D'accord, donc elle est là-bas. Let's go stepper. Ah.
Les petits flammes. Ouais, il y en a un, il a bugué dans le sol, frère. C'était pété. Ouais, mais c'est pas un cheval. C'est un navire. Bon, ouais, il y en a bien un qui va venir vers moi. Non. Ah, hein. Il y avait une barque, je t'ai coupé en vrai. Pas de bateau qui va venir me chercher là, non. Ah, je pleuve. Voilà. J'ai une embarcation. Ça me perturbe toujours autant le fait qu'il y ait un truc là. Ça se trouve, la pièce de la tête se passe là. Non. Ah non, ça tue le bateau. Au contraire, ça serait chou. Nom d'Ibet, Nibeb, Nunem, Edget. Quoi ? Cet endroit est très bien gardé. Quoi ? Garde ! Un intrus est monté à bord de mon navire ! Allez hop ! Si tu oses porter la main sur moi, mes hommes t'étriperont ! Yawit a obtenu vengeance. J'espère que ça l'apaisera. Ok. Yes, un point d'aptitude en plus. Ouais. Et après, je propose qu'on aille par là. On step et on fait le point qui est là, puis on passe par là. Et on remonte tout le long, on fait les 2-3 points qui sont, puis on fera le reste plus tard. Ou alors on y va maintenant. Déjà un moment que je suis sur du secondaire en fait, j'aimerais bien équilibrer et arriver à avancer un peu quoi. Ça fait déjà 2 heures mine de rien, 2 heures de secondaire, ça passe vite hein. Beaucoup beaucoup de secondaire. Bon après il reste une quête secondaire, il reste quelques points par-ci par-là, soit des campements, peut-être un ou deux villages. Peut-être. Dans les quêtes du coup on en est où? Annexe. Donc ça tout va bien. Hop, crocodile. Aptitude, on a 2 points. On va prendre ça aussi. Parce que ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Pour assassiner un ennemi à l'âme secrète appuyée sur F, pour assassiner un autre ennemi à portée. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool, ça vaut 3. Ah ouais. Viser à l'arc dans les airs déclenche un petit bon moins cool. Et après ici. Ah ouais. Ça c'est intéressant aussi. Ouais en termes de. On s'appelle d'arbre, bon. C'est pas trop mal. Le but étant d'arriver à t'amener cet arbre là, on va. Après on débloquera la. Premier point d'aptitude de comment s'appelle de cet arbre là de ce que
là on a quoi? On a un guerrier, on fera chasseur. Après, on essaiera d'avoir les quelques points intéressants et puis après, on essaiera de monter clairvoyance. Et après, on essaie d'avoir un peu près tous les points d'aptitude, ça doit débloquer un succès. Et tout le reste, bah après, de toute façon, c'est fait pour être pour monter soit la branche clarier, clairvoyance ou l'autre, la chasseur. Puisque de toute façon, on peut les upgrader autant qu'on veut. Donc là, il y a un point ici. Que j'aimerais aller check. Ok, donc je m'attendais. Ah ouais, mais ça c'est sur ce qu'il y a là. Fayum Oasis, d'accord. Tiens, ça a de la gueule aussi. Hein. J'ai un petit F3 là. Mince, je suis toujours la même boulette. Hein. C'est-à-dire que j'ai essayé d'appuyer sur espace pour monter. Ouais. Faudrait que je me rapproche un peu en vrai. Toujours pas découvert. Il va me le mettre. Ça y est, nouvelle région découverte à Fayum. Oh yeah. Oh. Bientôt proche de 6 bois. Hein. Mine de rien. Et il y a quelques points à faire. Mais en vrai, tu vois, c'est une toute petite zone. Là, ça a l'air d'être plus grand. Enfin, c'est une toute petite zone, c'est peu de choses à faire, tu vois, finalement. Wow. Tac. Allons choper le point de TP qui est là-bas. Nouveau lieu découvert, Karanis. Avec un petit point de TP, un nouveau point aussi. Reculez! Ceci ne vous concerne en rien. Continuez à... Qu'un papyrus. Tac. Allez, tu es presque. Oh, il a une bite, Véronique. Petite ville. Bien sympathique. Papyrus caché ici. Et une quête secondaire, un point derrière. Bon, on va les faire les points. On fera les quêtes secondaires plus tard. Attends, non, il y a deux points. Non, il y a un point. Pourquoi ça n'était pas en vert et tout?
Elle est où mon énigme là? Ah oui d'accord, elle a été... Waouh. Ça a été tagué, d'accord, il est là où. C'est quoi, c'est un œil. Peut-être l'œil d'Osiris, connerie le genre là. De côté c'est un trésor à aller choper. Dans le Fayum Honor de Caravanserai de Dionysas, on trouve une tour dont je n'aurai pas la suite finalement. C'est marrant, je suis vert. Non mais gros, je suis vert parce que mon personnage il est pas capable de. Non mais t'as gros. Ouah, et des fois c'est vraiment débile hein. Allo, descend de ce mur. Hein. Ok, en dessous il y a deux trésors. Où c'est qu'on descend? Bah je ne sais pas. Oh, vakecht me no. Nun es kede. Oh, tis agathotis. Χαίρετε τα του οίκου σου. Χαϊ, πεσέσιν γερέχ. D'accord. Je vais parler devant lui, mais il a rien dit. Si jamais on me voit ici. Je vais t'écraser. Fatigue. Là-bas. La cible est visible. Ok. Tac, on sent un peu ma fatigue, hein. J'ai un peu de mal des fois à commenter. Faut le cacher, il fait trop chaud. Il fait hyper chaud, vraiment. Ma chambre là, il fait 31. C'est surabusé. J'ai beaucoup trop chaud. Je suis en train de mourir. Intérieurement. Quoi? Ah, c'est vraiment un tout petit campement. Pendant que je file. Ouais, ça me saoule parce qu'ils vont être à nouveau en plusieurs. On va se tirer vite, c'est bien fait. Partez, allez. Destination pendant que je file. Oula. On va aller choper ça, on va aller choper le point de TP, le point d'interrogation qui est à côté. Voilà, enfin, dans le faillot.
Je vais éradiquer les hommes du crocodile. D'accord, je peux pas voir un peu ici. Right position, Gerer. Wow. Idiotin, oran bulimidi mekanesterin akseleftis. À nouveau sur un monsieur. Nu cette fois-ci. C'était quoi le point? Ça doit être un truc à faire, un trésor. Je vais répéter la synchronisation. Débile lui, hein. Wow, frère. C'est hyper bugué. Je suis bloqué sur le pilier, je peux plus descendre quoi. Les gardes sont très vigilants par ici. La prospérité pour tous, avec l'augmentation des achats de terres et des pièces. Ok. Je ne suis pas le premier visiteur aujourd'hui. Effectivement. What the fresh? Mec, il n'est pas là. Il faut que je trouve où est mon informateur. Il y a eu du monde, du passage. Beaucoup effectivement. Et pas de sang, ni de traces de lutte. Peut-être a-t-il pu fuir avant. Ces rouleaux ne m'apprennent rien d'utile. Je devrais aller voir là-haut. Oh, qui a pu faire une chose pareille? Qui protégeais-tu, mon ami? Mon chat. Tu vois qu'ils ont des têtes un peu bizarres ici. Hop, interagis. Une poupée d'enfant. Ah, je vais tuer ce nez qu'est-ce de crocodile. Nectiadou. Hop. Le rouleau et de l'encre. Ah, rien qui m'apprenne où est passé au Tefres. Ah, des plumes. D'un pigeon voyageur. Le nouveau Fayoum promet la paix et l'abondance. Une nouvelle ère de richesse s'annonce grâce au progrès que nous offrent les Grecs. La culture pour tous. Les savoirs égyptiens. Lettre laissée par Otefres. Le crocodile sait qui je suis. Un de mes serviteurs a déjà été arrêté par les soldats sous une fausse accusation et emmené au camp militaire voisin. Crocodile, si tu tiens absolument à croiser l'épée avec moi, tu vas devoir mettre un message laissé par mon informateur. On dirait qu'il a pu fuir. Mais les soldats ont pris son serviteur. Si le serviteur est toujours en vie, il saura où est Otefres. Il doit être prisonnier au camp militaire voisin. Je l'avais fait. Selon le dernier recensement, tous les habitants du Fayoum sont ici. Ah, j'en peux plus. Chaleur et maintenant les éternements. Hop, il faut que je grimpe. Je peux pas passer. Évidemment, c'est un trésor. On va suivre. Il y a un gars mais il est un peu plus loin. Le trésor était pas derrière. À côté. Ah, ils attaquent à vue par ici. Idiot.
Oran vulimiti mihanaste ina exeltis. Je suis pas du tout allé dans la bonne direction, j'y étais en plus. Poro estiga ego. Siga mieri nike. Ok. Alors attends, je te regarde, est-ce qu'il y avait rien d'autre? Ah si. C'était dans l'autre sens. Ça mène juste ici, c'est n'importe quoi cette histoire. Je me suis fait entourlouper. Il y a deux entrées de droite, alors c'est dans l'une des entrées que j'ai vues et il y a un passage un peu planqué, parce que c'est vraiment derrière. Ou il y a autre chose et c'est bien planqué. Là. On n'a pas fait cette entrée là. Je croyais que c'était l'entrée qu'on avait trouvée tout à l'heure, mais en fait non. Nickel. Trop bien d'avoir placé des jarres ici. Quelle bonne idée. Quelle merveilleuse idée. Je vais me dire que je vais peut-être pas pouvoir sortir par là. On va tenter là. Ouais, non, c'est bon. Ici, on peut.